Yo, au mic, yo. Je fonce dans le mur, pas envie de freiner. Si normal pour moi, c'est ce qui est effrayant. Je me bats contre le temps, une course effrénée. Pris dans une frénésie dont je suis friand. Les souvenirs remontent, ça fait un siècle. Oui, j'espérais qu'on resterait si proche. Mais je ne t'oublie pas, c'est l'effet inverse. Je me demande si c'est réciproque. Combien d'aventures et de défis, de moments orageux. Et le mystère des filles, tu étais courageux. Je me défilais de gamins pas finaux, font trembler des filets. Déguisement de pirate avant de goûter. Quelques photos m'ont inspiré ce couplet. L'histoire de la vie nous a séparés. C'est pas rien 4 ans, mais pour moi c'est pareil. Quand l'on s'est revu, évidemment une accolade. Ravi de retrouver en ce vieux démon un acolyte. Occupé à ravir des bouteilles, un duo d'alcooliques. Malgré ces années, la distance, pas un brin d'engueulade. Magie noire durant le mariage. Des capis sur la terrasse, sous l'œil de Marie-Jeanne. Le buste de Marianne, sur le buffet intimide. Je retrace le fil d'Ariane de la soirée fin mythique. Promesse de retrouvailles dans un futur proche. Je n'emmène pas large, mais je compte pas fuir terre proche. Tellement de temps à rattraper. Tu le sais pas encore, mais je peux rapper. Derrière moi, trop de bons potes laissés hacker. J'ai rencontré la femme de ma vie, mais c'est laquelle. Dépassé par des souvenirs qui me hantent, je mène ma barque bien loin des méandres du passé. Les visages s'effacent, les petits deviennent grands. Tu ne reconnais plus les dessins animés. Un destin mimé pendant qu'un ami meurt. Le ciel se fâche, trop de temps derrière l'écran. On ne faisait que fumer les cartouches aux consoles. Elle mettait une consonne, pas envie de consommer. Un goûter à 4 heures pour être consolé. Et le temps file, et le temps passe. Envie de t'enfuir, la première fille que t'embrasses. Jamais eu autant de vie, je te touche, tu t'embrasses. Tu t'es barré, tant pis, pour moi faut pas que tu t'en fasses. Est-ce que tes nouveaux mecs ont de l'emphase? J'aimerais discuter, te mettre chair en face. Tu le sais parfaitement, t'as fait le mal hier. Y'a le fond du problème, y'a la manière. T'es pas le genre de fille qu'on enchaîne. Mais pourtant tu t'es conduit, t'enchaînes. Alors explique-moi ce comportement paradoxal. Tu mens et tu mens, je sais pas à croire que t'adores ça. Une couverture pour le rejoindre au lit. Tu te prends les pieds dans le tapis, t'as fait all-in. Quand mon ex cause, j'entends pas ses excuses. Seulement l'écho de ses mots, tu n'aimes que le sexe, pute.